Comme ça, je vais pouvoir me faire. Oh, Power 2. Comme ça, je vais pouvoir me faire un stock de torches, enfin de charcoal. Parce que pas question d'attaquer une zone sans avoir un minimum verrouillé d'éclairage. On n'y a rien là en dessous. Du cuir, toujours utile. Un lit, je prends. Je vais peut-être directement retourner à l'intersection en fait après. Y a rien. Oh, c'est pas grave, je fais les choses un peu en boucle. Et donc je vais prendre ces bûches. Ça me fera quelques torches. Pas grand chose, mais ça. Ça ira pour commencer. Je fais quand même ce qu'il y a sur le côté ici. Il n'y a pas d'arbre. Bon, en fait, en parlant de bûches, j'ai pas fait gaffe, mais c'est rempli. Pas passé trop de temps non plus, parce que le but c'est pas de me voir collecter du bois pendant un épisode entier. Commence à me méfier. Bon, des moutons. Je pourrais récupérer la laine et la teindre, mais bon, c'est pas vraiment le but du jeu, hein. C'est interdit dans les règles. Il y a aussi plein de glowstone par ici. Je pourrais en récupérer un petit peu et faire un peu de blocs comme ça. Ça pourrait faire une solution dépannage pour l'éclairage. Parfait, des fours. Je vais peut-être faire un campement ici. Bon, en fait, c'était le jour, donc je sais pas si c'est un Eternal Day ou pas. J'ai pas fait gaffe. Enfin, ça n'était pas dans la zone, c'est que j'étais avant, mais. Ah, bah ça a l'air bon. Et donc, je vais pouvoir mettre ça. Parce que j'ai des trucs en bois à faire brûler. Bon, ça brûle tranquillement. On va mettre l'enclume ici. C'est le coffre. La tête de creeper et ça. Autant laisser. Ne pas me trimballer avec trop de matériaux. Et voilà, et là. Je devrais avoir 8 charcoal. Ça devrait être pas mal pour commencer. On va faire quelques premières torches. Avant que ça cuit. Je vais explorer un petit peu encore les alentours sans aller trop dans la zone, mais juste voir un peu ce qu'il y a autour de cette montagne. D'ailleurs, j'avais dit que je voulais prendre un peu d'éclairage supplémentaire. Je vais me méfier qu'il n'y ait pas un piège caché sous un bloc. Me suis déjà fait suffisamment avoir avec ce genre de piège à la con. Même si je pense pas que ici c'est pas vraiment des. C'est pas comme les charbons qu'il y avait avant, c'est évident que tout le monde allait prendre ses charbons. La zone a l'air assez grande, ça a l'air d'être voilà, une petite montagne avec des choses là-haut.
puis toute une zone autour, tu pourras aussi visiter. Tu vas voir ce qu'il y a au-dessus de l'arrivée. Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a de la musique dans le jeu pour l'instant qu'activer? Oui, il y en a. C'est juste que c'est pas déclenché. C'est dommage, ça comble un petit peu, ça m'évite de devoir trouver des musiques après. Enfin là, je vais pas mettre de musique, je vais juste laisser le son du jeu et de ma voix. Non, là, il n'y a rien. Je passe peut-être à côté de quelque chose, hein. C'est toujours difficile quand on est en train de jouer, on a le nez plongé dans ce qu'on fait, puis on peut facilement passer à côté d'un coffre ou de quelque chose. C'est toujours énervant après quand on regarde les vidéos d'autres personnes sur YouTube, c'est qu'on voit tous les éléments qui sont manqués. Mais c'est pas facile quand on est concentré dans le jeu de voir tout ça. Bon, par contre là je vais essayer d'avancer parce que pour l'instant il se passe pas grand chose. C'est un petit peu ennuyant comme épisode. Alors, on va faire quelques torches. Voilà, ça devrait me permettre de commencer la zone. Je prends un coffre. Un four avec. Comme ça, si j'ai envie de me refaire d'autres torches, je sais où c'est qu'il y a des bûches, je sais où c'est qu'il y a du bois. J'ai le four sur moi. Donc tout est parfait. Par contre, j'ai plus de nourriture. Ça, c'est embêtant. Un problème après l'autre. Dommage que les moutons ne donnent pas de bouffe. Ce serait pratique. Je vais voir ce qu'il y a dans cette petite tour de pierre. Il y a du bruit de feu. Ah bah c'est le feu qu'il y avait ici. Y a pas de porte d'entrée, non? Ah oui, je me dépêche à chaque fois de prendre le contenu des coffres, puis je vais me mettre à l'abri avant de regarder ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'il y avait cette fois-ci? Donc, de nouveau, de ces étoiles. Pyrolighter. Un briquet Fire Aspect. Ça peut être sympa. Potion saturation. Enfin, saturation 2 secondes, enlève l'effet Hunger. C'est intéressant. Et voilà, une Pyro Armor, protection contre le feu 5, Unbreak 5. C'est une protection que j'ai. Je vais voir le genre de rencontre que je fais. Puis éventuellement, je changerai mon armure pour celle qui est la plus adaptée. Ah, c'est cool, le Hunger est terminé. Bon, j'ai pas ma barre qui est pleine, mais. Bon, est-ce qu'il y aurait en fait le monument de la victoire qui serait là-haut? Ça pourrait y ressembler. Ben voilà, Rainbow Monument. Les fermes sont par là-bas. Les fermes, ça m'intéresse. Je vais pouvoir. Si c'est bien le monument de la victoire, puis qu'il n'y a pas de piège, je pourrais déplacer mon campement, puis le mettre ici. Mais je le ferai hors caméra, parce que c'est pas très intéressant autrement. Donc effectivement, c'est le monument de la victoire. Ah, et en plus sur un Mushroom Island. Et oh! Chauve-souris, jukebox, ben voilà, moi qui voulais de la musique. On va pouvoir mettre une petite musique. Est-ce qu'on va mettre 4?
Voilà. Après le reste, c'est pas. Si j'ai envie de faire un peu de déco, éventuellement, mais c'est pas vraiment le but. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Une petite grotte. Donc oui, on est sur une Meshram Island comme biome, donc il n'y a pas de spawn naturel de monstres. Par contre, ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir des monstres qui spawneraient via des command blocks ou via des spawners. Ça a l'air sympa par ici. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Il y a un coffre. Par contre, vu qu'on est attiré au fond de l'eau, il n'y a rien d'autre au jeu. Allez voir ce qu'il y a là en bas. En espérant que ce soit pas un piège à la con. Intéressant. Ça, je commence à faire un peu des réserves de stuff. Maintenant, il faudrait que je fasse le plein de nourriture. Et ce sera parfait. Donc, je vais aller directement dans la zone de la ferme qui était indiquée. C'est sympa comme zone, c'est tout calme, mais on fera quand même bien fouiller pour s'il n'y a pas des secrets cachés, enfin, d'autres du même genre que celui que j'ai vu là. Ah, des vaches. Ah, je vais pas les tuer. Faudrait que j'arrive à collecter un peu de blé. Bon, en tout cas, m'assurer de pouvoir les reproduire. Bon, je vais laisser la houe à l'intersection 1. Petit Oslo. Alors, il me faudrait du blé. Pour ça, il me faudrait des graines. Bon, tant pis pour le slow. Ouais, apparemment, il y en a quand même pas mal dans le coin. J'ai vu une petite maison en pierre par là. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Ah, un peu plus d'armure. L'inventaire est plein. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Iron Helmet. Bon, ça, je peux les transformer. Une épée Fire Aspect. C'est toujours gratuit. Je suis toujours dans une Shroom Island, ouais. On va vérifier quand même pas que je me retrouve tout d'un coup avec des monstres. Ce qui serait marrant dans une map aventure de genre, c'est d'avoir une grande zone comme celle-là, donc en Mushroom Island, une zone paisible, puis de mettre juste quelques blocs d'une zone dans un autre type de biome pour avoir des monstres qui se génèrent en fait. Ce serait un genre de piège assez marrant. Bon là il y a un squelette mais je pense que c'est juste que le Mushroom Island s'arrête. Voilà, il s'est arrêté par ici. Mais là c'est normal, je suis déjà bien sur les bords. Je reste dans la zone centrale si je veux. Éviter d'avoir des monstres. Ah ben, il a peut-être fait ça le créateur de la map. Là, je suis plus dans une mushroom, mais je suis dans du jungle. Heureusement, c'est relativement bien éclairé. Je vais aller chercher ma houe. Je vais pouvoir commencer
à retourner un peu la terre et à produire du blé. Je vais faire une petite ellipse, je vous retrouve dès que j'ai de nouveau quelque chose d'intéressant.